Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau ProSérie, On va regarder ensemble une partie entre Choi Jeong, 9e dan professionnel, et oh Yoo-Jin, 9e dan professionnel, deux joueuses talentueuses qui vont s'affronter pour cette finale de la première Korean Lexide. Cup Ladies Tournament, voilà, ils font de plus en plus hein, les tournois, c'est des noms à rallonge. Euh, J'essaye de faire des raccourcis parfois pour le, la place sur l'interface, mais euh, voilà, c'est le nom du, de ce tournoi en tout cas. Et euh, elles sont en finale, le commis est de 6 points et demi, on va regarder tout de suite ce qu'il en est dans cette partie, euh, c'est en deux victoires euh, pour cette finale. Oh, Choi Jeong sera blanc et Oyujin oh, sera noir. Dans la partie, c'est un Oshi Komoku pour noir et un Oshi Oshi pour blanc. Noir approche en F3, début de Kobayashi. Blanc répond avec C6 et Noir ne va pas jouer un Kobayashi. Non, elle va venir jouer O17. Donc souvent, F3, coup de sonde, en même temps que ben, c'est le bord intéressant. C'est un bord où Noir peut construire quelque chose de très intéressant aussi. Et... O17 va valoriser un peu plus le coin, faire que le coin ce n'est plus qu'un co, faire que l'approche de ce coin-là soit plus compliquée, puisque maintenant il y a deux pierres déjà présentes. Si blanc approche, noir aura une troisième pierre en réponse. Et le bord droit est euh, grossi, puisque le O17 est un coup qui est euh, plus haut du bord droit vers le centre. Donc euh, ça, ça fait une certaine, euh, une certaine influence hein, quand même. On peut voir on peut valoriser un peu plus ce bord droit du coup. Parce que oui, jouer un coup sur le bord haut peut valoriser le bord droit. Dans la partie, euh, blanc vient immédiatement jouer le coup en Q5, coup en quatrième ligne, qui quelque part réduit un petit peu une influence, qui aplatit pas mal le bord bas. Noir valide euh, le coin avec R5. Souvent une réponse assez standard, hein, on valide le coin. Maintenant, dans la partie, on voit bien que le bord bas devient très 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 plat. Noir a déjà investi un coup en F3. Est-ce qu'on a envie de jouer un coup plat, ben, on n'a pas trop envie en fait, parce que ça voudrait dire que F3 était sur un bord qui était moins intéressant, c'est parce qu'en soi on n'aurait pas joué F3 après la séquence en bas à droite si on avait joué cet échange là, je pense pas, parce que le bord gauche est plus intéressant, parce que le san est peut-être plus intéressant en bas à gauche, euh, on aurait préféré jouer autre chose je pense, donc dans la partie elle vient jouer le coup en O4 pour valoriser un peu plus ce bord bas, faire en sorte que on va pouvoir augmenter ce borba vers le centre, lui apporter un peu plus de points, parce qu'on a joué F3, je pense. Dans la partie, blanc s'étend en R11, extension tout à fait normale. Et c'est vrai que ce qui se passe à droite, là, c'est une séquence que je n'ai pas vue depuis un petit moment. Je sais pas vous, mais le, le fait de faire la gueule du tigre et extension, euh, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. C'est vrai. Noir vient jouer euh, D3, donc euh, une séquence qui veut réduire le coin, s'installer dans le... En partie dans le coin et euh, vivre tout de suite pour ne pas forcément devoir faire une extension par ici, par exemple. Donc euh, parfois on fait ça pour dire je m'installe, je fais vivre mon groupe. Et si t'as envie de jouer un jour sur le bord bas, tu y joueras. Mais moi ça me dérange plus vraiment. Ok. Blanc répond. Blanc vient jouer le coup en b4 qui est une possibilité. Euh, souvent, Noir vient jouer le coup en e2 qui est une réponse normale. Alors euh, évidemment, ça ça existe aussi, ça ça existe aussi, ça ça existe aussi puisque on le voit assez souvent. Mais ça ça existe aussi les amis et souvent la réponse c'est e2 parce que on voit une forme d'œil directement. Vous voyez, c'est un œil en d2 éventuellement un œil en e3 et dans ce cas-ci, Noir pourra encore faire Atari. Plus tard, s'il y a besoin, oula, plus tard, s'il y a besoin, donc on imagine que ça joue ailleurs, euh, plus tard, on peut faire Atari et du coup, euh, éventuellement, valider le maximum de points, dans le, le maximum deuil possible dans le coin et de points. Mais euh, juste par exemple, ça, on voit tout de suite qu'il y, qu y a au moins deux yeux. Donc vous voyez, ça, c'est un coup important. Si Blanc ne joue pas ça, ça, ça va être un coup aussi important à un moment donné. Donc dans la partie, euh, Blanc joue le coup en, en E4. Et quelque part, il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est que cette forme. Et eh bien imaginons que Noir joue ailleurs. Et eh bien boum, boum. Et imaginez que ce coup-là était ici. Donc le coup en B4 était là. Regardez la forme en bas. Noir souvent va, va rajouter une extension. Donc c'est pour vous rappeler un petit peu à quoi correspond un peu cette forme. Et pourquoi Blanc a joué E4. Parce que les, les suites, bah, si Noir ne rajoute pas de coup, le groupe en bas de Noir n'est pas forcément vivant localement. Et ça, c'est important. C'est pour ça que noir rajoute un coup, en général. Donc là, avec la pierre en B4, il y a une différence. Parce que noir peut faire atari en B3, quand même. C'est-à-dire vivre encore dans le coin. Dans la partie noir sans. san Blanc bloque de ce côté-là, fait un mur sur le côté gauche. On voit qu'il y a deux murs sur ce côté gauche pour blanc, qui dit coup, dit, mais wow, je peux développer quelque chose de très intéressant dans cette zone-là. Et de très gros. Mais il faut peut-être plus qu'un coup pour le fermer dans la partie noire doit perdre la main, puisque c'est la séquence récente que je vous ai montré dans la euh, quatrième vidéo du Sansan, enfin euh, dans, les, dans, les, dans les quatre premières vidéos du Sansan que j'ai fait euh, dernièrement. Je vous invite à checker le petit d'information pour voir la, la quatrième vidéo du Sansan qui est sortie et qui, qui s'appelle, qui a comme titre le santé, euh, parce que le, le santé dans l'invasion Sansan, c'est important quand même de le comprendre, et euh, de comprendre pourquoi avant on n'avait pas le, le santé. Alors du coup, euh, Blanc ne répond pas enfin, Blanc va jouer ailleurs et va jouer le coup en H3. Un coup qui est tout à fait normal. Regardez, boum, boum. Et si on ne répond pas, on a envie de faire ça, et puis ça. Donc on comprend l'intérêt de Blanc H3 après cette séquence, sachant que Noir n'a pas répondu quand Blanc a joué le coup en E4. Donc dans la partie, quand elle vient jouer ça, ça attaque le groupe de Noir. Si par exemple Noir ne répond pas et va jouer ailleurs, on a Atari, on a une menace de coupe directement, et... On a le fait que noir n'a même pas un noir a un œil en bas en fait. Techniquement noir a un œil en bas. Mais aussi on peut voir quoi ben, on peut voir que ben, blanc va juste chasser le groupe de noir. Est-ce que noir a envie de sauver de sortir un groupe comme ceci sachant que s'il si sort, il va aplatir un petit peu ce qui est à gauche en effet, mais noir n'est pas encore vivant et la direction c'est juste blanc qui va faire le maximum de points à gauche quoi en fait. Donc le maximum de ce qu'il y a déjà de présent avec les pierres posées actuellement. Donc c'est un peu douloureux comme, comme échange. Alors on pourrait se dire, oui, mais alors euh, Noir va juste dire, je m'en fous, je vis dans le coin et on n'en parle plus. Mais vous voyez comment Blanc se renforce considérablement en extérieur et sur le bord bas en plus. Blanc va faire des points sur ce bord bas, quoi. Donc euh, très gros coup de la part de Blanc, je trouve. Euh, et il y a beaucoup de questions à se poser. Noir ne répond pas. Noir vient attaquer les trois pierres de Blanc. Alors c'est une zone qui est très grande hein, pour Blanc, en effet. Euh, maintenant, euh, si le groupe en bas à gauche, il meurt, est-ce que... Est-ce que Noir va tuer le groupe en haut à gauche C'est ça la question. Est-ce que euh, qui gagne dans cette histoire Qui gagne s'il y a un échange C'est très intéressant cet échange. Mais j'ai l'impression que les trois pierres de Blanc sont quand même très compliquées à attaquer comparées aux quatre pierres de Noir qui sont quasi mortes. Dans la partie, Blanc s'étend en M3. Noir fait d'abord cet échange avant de bloquer ici parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, là, avec le fait que Blanc a joué, euh, que Noir est joué O4, il y a un problème de forme. Euh, en euh, P3. Et avec la pierre en M3, ça va beaucoup nous servir. Pourquoi Parce que si Noir capture cette pierre, Blanc est très content de dire Je m'en fous, j'ai capturé tes deux pierres et je peux même envisager ça parce que le coin est à moi en fait. Donc Noir n'a pas envie de faire cet échange-là, il a envie de bloquer ici, de connecter. Et ça veut dire que Blanc peut facilement connecter ces deux pierres à la pierre en M3. Et pour le coup, le coin et l'extérieur sont complètement séparés. Et en général, il faut vérifier que le coin soit vivant et que les pierres extérieures soient vivantes du coup. Mais vous voyez, qui va faire des points sur le bord bas Ça a l'air d'être blanc, puisque blanc a une base de vie, a déjà des pierres et en plus attaque les pierres de noir au centre. Donc euh, faites attention quand vous jouez une pierre en quatrième ligne ici, il y a une faiblesse en P3. Et c'est pour ça que blanc vient jouer le coup ici pour dire je m'installe, mais aussi. Je grossis mon coin. Si ton groupe y meurt là, mon coin va être beaucoup plus gros. Et euh, ça a l'air assez intéressant, quoi. Donc dans la partie petit échange, noir ne va pas jouer ça, noir va bloquer en haut 3, maintenant il n'y a plus de problème. Le coin est à noir, et noir a une on va dire une entrée vers ce centre, cette zone centrale, grâce à l'échange qui vient de se passer. Et blanc maintenant répond à gauche et dit Je vais attaquer ta pierre. Noir vient jouer le coup en G17, qui est un coup très important euh, si on veut valoriser le bord haut, vers le centre, mais si on veut continuer à attaquer les trois pierres de blanc à gauche. Parce que la suite, c'est bah, par exemple un coup un coup euh, en G15, en fait. Ça va être très important. Et pour jouer ce coup en G15, il faut le coup en G17. C'est, on va dire, l'étape. Euh, c'est un peu l'étape intermédiaire, G17. Mais c'est une étape très importante parce que ça permet de dire à Noir tu as le, les points du coin. Et Noir, il dit, ben, je vais grossir mes points du coin, mais je vais avoir le bord aussi, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. En général, quand on prend le coin, on n'a que le coin. Et avec cette, cette euh, variation, on va dire, moderne, ben, on a le coin et on peut encore s'agrandir vers l'extérieur si Blanc ne rajoute pas des coups. Dans la partie, Blanc vient jouer le coup en G2. Elle dit vraiment, je vais tuer ton groupe, en fait. Je vais tuer ton groupe, il n'y a pas de problème. Parce que en même temps, regardez, elle a obtenu une extension ici. Et une extension ici, hein, donc c'est vraiment très très intéressant ce coin-là finalement, sachant que les trois pierres de blanc ne sont pas encore capturées. Dans la partie, Noir vient faire un no game ici qui dit ⁇ Je vais t'enlever des options ⁇ Je vais t'enlever des options de fuite. Blanc ne répond pas. Elle se renforce en bas à gauche. Elle continue de valoriser son coin, comme Noir est en train de le faire. Mais je pense que Blanc a aussi, et je pense que Noir a aussi lu beaucoup de choses, mais je pense que Blanc pense qu'elle peut encore sauver ses pierres, même si Noir rajoute un énième coup pour l'enfermer. Donc Noir rajoute ce coup-là, qui demande, qui vient menacer de réduire la zone en bas à gauche de Blanc, et qui vient grossir la zone en haut à gauche de Noir. Blanc répond, et Noir vient verrouiller cette zone, disant, je fais pas mal en haut, grâce à mon mur, et en plus de ça, t'es enfermé. Tes trois pierres sont enfermées. Comment tu les sauves ben les amis, regardez ce qui va se passer. Blanc année, noir répond, blanc gueule du tigre, donc euh, c'est aussi la, la forme du scorpion, hein, si, si je ne me trompe pas, euh, on va dire en nomination récente. Et euh, la suite, c'est quoi ben Si noir va jouer éventuellement ailleurs, il ben y a ça comme suite pour attaquer, pour connecter par en dessous, pour menacer d'éventuellement mena ben couper, peut-être menacer de sortir d'une certaine manière. Noir vient jouer ce coup-là, qui est un coup très important, parce que si c'est Blanc qui l'avait, eh bien c'est quasi aussi un œil, sachant que Blanc pourrait jouer ça d'abord, et ensuite jouer quelque chose par là. Donc quelque part, il y a déjà un œil là, et maintenant il y a potentiellement un œil en, C4, en C15, par exemple. Donc c'est assez important, mais on peut très très rapidement obtenir quelque chose qui va vivre. C'est pour ça que Noir doit jouer ça, et elle essaye de dire, mais si tu fais un truc comme ça, regarde, t'as même pas la place de connecter, ce genre de choses. Donc dans la partie Blanc commence par ça. Et puis, Blanc vient jouer ce coup de contact qui dit Attention, si tu ne fais rien, je vais capturer ta pierre et vivre à gauche. Donc, Noir S doit répondre localement, je pense, et en tout cas très proche de la zone. Et euh, elle vient enlever une deuxième liberté à cette pierre en D14. Blanc répond Atari contre Atari, Noir capture, et Blanc vient jouer ce coup-là qui dit bah, Attends, regarde, je peux connecter là ou jouer G14 et sortir. Dans la partie, Noir capture cette pierre, ou en tout cas fait Atari dessus, et Blanc. Sort. Alors les amis, on peut imaginer que ça fasse cet échange là, mais le problème c'est que blanc va sortir et que noir a déjà une base de vie un peu plus limitée à cause de a18 sur le bord haut. Donc il faut se poser la question est-ce qu'on a vraiment envie de faire cet échange là, sachant que probablement que le groupe de noir est mort en haut là. Ça veut dire que tout à coup il y a un semi à lire et il n'y a pas beaucoup de liberté donc pour l'un ou pour l'autre donc il y a beaucoup de choses à lire et je ne sais pas si c'est Noir qui gagne donc Noir dit ok je te laisse sortir mais je valide mes points sur le bord haut et tu dois toujours galérer à sauver tes pierres mais Blanc a réussi à sauver ses pierres du coup et le groupe de Noir en bas même s'il arrive enfin il y a encore l'Atari à réfléchir mais c'est pas forcément totalement vivant donc il y a quand même des, des bonnes questions à se poser beaucoup de choses à lire et dans la partie Noir fait le année pousse blanc vers l'extérieur, mais noir se renforce aussi euh, en jouant ce coup-là et en empêchant du coup blanc de connecter si facilement euh, ses pierres en haut et ses pierres en bas. Donc blanc maintenant vient jouer le coup en N16, pensant qu'elle bah, peut quand même s'en sortir. C'est légèrement gourmand, il est vrai, mais a priori, je vois pas non plus comment noir peut vraiment capturer... Euh, on va attaquer euh, efficacement les pierres de blanc, sachant que le groupe de noir doit aussi faire attention à vivre, hein, faut pas oublier ça. Donc, blanc vient jouer un coup à l'épaule, essaye de réduire cette zone qui était la plus grande zone que noir a actuellement, et noir connecte ici, parce qu'il y avait quand même une coupe à réfléchir, et blanc saute, disant je vais me renforcer, très important, hein. Euh, si Noir se renforce, il faut que Blanc se renforce aussi, je pense. Et là, euh, oui, menace de connecter, donc Noir sépare et en même temps sort pour ne pas se laisser enfermer. Très important, parce que si Noir a une entrée dans cette zone, peut-être que Noir pourra plus facilement sauver les pierres qui sont en bas. Dans la partie, Blanc ne répond plus et vient jouer N17 pour détruire les points qui se trouvent en haut. Noir monte, Blanc sort, et Noir s'étend pour dire... Je vais grossir mon coin. Euh, ça pourrait potentiellement me faire deux coins et demi avec ce qui se passe en bas à gauche. Maintenant, il y a quand même quelque chose à regarder en bas à gauche. Hein. C'est est-ce que c'est vraiment vivant Parce que c'est trop trop important en fait. Imaginez que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On a cet échange là et puis tout à coup celui là quoi. C'est pas forcément vivant localement, les amis. Il hein. y a quand même pas mal de choses à lire en fait. Dans la partie du coup, euh, Blanc vient jouer le coup en K17 qui vient lui donner une base de vie à son groupe en haut, mais qui vient aussi quelque part réduire les possibilités de vie du groupe de Noir en haut. C'est très important. Imaginez que Noir ne réponde pas et que Blanc obtienne, par exemple, un échange comme ça, un échange comme ça. Regardez, comment, euh, comment ça se passe en fait, la, la vie pour Noir Mais il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Donc, euh, Noir doit faire attention euh, d'une certaine manière. Noir vient faire le Yossé en N18 au 18. Val disant que le coin il n'y a vraiment plus rien Tu pourras plus rien faire dedans Et en même temps réduit la base du vie du propre groupe de blanc Donc c'est très important Blanc sort N'ayant pas de base de vie locale Elle ne veut, veut pas se laisser enfermer Et en même temps elle veut se consolider vers l'extérieur le, vers je pense Noir sépare Blanc connecte Enfin fait le kosumi pour dire je me renforce également Et aussi il euh, y a des choses à, à réfléchir au niveau des différentes coupes Mais a priori il n'y a plus de problème Noir vient jouer ce coup là Qui continue d'attaquer le groupe de, 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 noir, de blanc en haut hein. Blanc, coup de contact, demandant une réponse locale, sinon capture et on réduit le coin en même temps et on fait plus de points à droite. Et euh, blanc recule. Noir sort pour continuer de dire je vais séparer tes pierres. Blanc vient jouer ce coup-là. Les pierres peuvent être séparées. Hein. Regardez, boum, 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 il y a des choses à réfléchir. Et boum, 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 il y a des choses à réfléchir. Donc euh, si ça se passe comme ça, est-ce qu'on a envie euh, forcément euh, de se faire trancher Mais dans la partie, blanc vient d'abord jouer ce coup-là, parce que noir fait cet échange-là. Blanc vient jouer ce coup-là. Noir pousse. Blanc vient jouer ce coup-là. En fait, l'idée, c'est que Blanc aimerait avoir ce coup-là. Mais pour avoir ce coup-là, il faut que Blanc soit fort à gauche. Donc Blanc va d'abord essayer de se renforcer à gauche, c'est très intéressant. Et euh, se laisse trancher, parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Mais elle capture cette pierre. Et si elle capture cette pierre, le groupe de Blanc en haut a l'air vivant. Hein, ça a l'air quand même plus vivant que mort, avec déjà un œil. Mais euh, elle s'est fait trancher. Ici, et elle s'est fait trancher aussi vers P12. Quoi. Donc, euh, où sont les points de blanc Regardons un petit peu. Pas de points. Pas de points. Ça s'est fait trancher, donc pas forcément tous les points à droite. Ça s'est fait trancher, donc pas forcément de points au centre. Donc, globalement, la plus grande zone de points à de blanc est en bas à gauche. Hein, C'est vraiment ça. Noir a deux coins, dont un bien gros coin en haut à droite, il hein, faut l'avouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Euh, c'est plus de 20 points le coin en haut à droite. Hein. Plus de 20 points. Par contre, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres points ailleurs. Mais voilà, on a un petit topo des points et c'est important de s'en rendre compte. Dans la partie blanc vient jouer ce coup-là qui dit je peux connecter, je peux t'enfermer. Le but de, de blanc, c'est aussi d'attaquer le groupe de noir en haut, il hein, ne faut pas oublier. Donc noir sort et blanc vient jouer ce coup-là pour dire je vais euh, faire des points, me renforcer, faire en sorte que ton groupe il est quand même enfermé. Donc la noire doit envisager de être sûr de vivre et après d'aller jouer ailleurs. Dans la partie, noire n'a pas répondu donc blanc attaque, attaque et noir vient envisager de sortir mais blanc fait le hané. et si ça se passe comme ça, je pense que blanc dit juste je t'enferme. Dans la partie, noire vient jouer ce coup-là, blanc capture et ça a l'air d'être un coup quoi. Ça a l'air d'être un co. Mais noir, maintenant, peut jouer cette menace de co. Blanc sépare, noir recapture, et blanc vient jouer ce coup-là qui menace de couper en J13 K13. Donc noir connecte, reprise, noir, pareil, menace de couper. Blanc connecte, reprise, blanc menace de couper. Blanc, euh, noir ne répond pas directement. Il va d'abord envisager ça parce que c'est aussi une attaque et une réduction de ce que blanc a. Et pour l'instant, ben, c'est quand même très très menaçant sur le groupe de blanc. Et ça menace aussi quelque chose de très gros, la coupe en M17. Donc, noir, blanc a envie de répondre. Blanc, euh, noir vient jouer le coup ici. Très intéressant parce que quand noir joue ce coup-là, ben, noir a plus de base de vie en haut. Et si blanc coupe, noir est en extérieur. Donc, n'a pas forcément des problèmes immédiats. Dans la partie, blanc vient d'abord jouer ce coup-là, fermant une porte au groupe de noir au centre, puisque noir pouvait connecter à droite éventuellement, euh, ou en tout cas avoir des possibilités, et là, hein, c'est fermé. Donc noir connecte, blanc vient jouer ce coup-là qui réduit la base de vie, noir fait d'abord Atari ici, et puis répond, ok, ça a l'air vivants, les amis. Un œil en C13, un œil en E13. Mais il y a une coupe ici en J15, est-ce que blanc va couper Noir a joué l'atari ici pour se, rend, se donner des options, des alliés vers l'extérieur. Blanc vient jouer ce coup-là pour ne pas se laisser enfermer. Parce que le fait que Noir vive et que Noir enferme à séparer le groupe au centre du groupe à gauche avec l'Atari, il ben y a quand même des choses à réfléchir. Est-ce que je peux vraiment couper et me faire capturer Quel est l'intérêt Donc euh, je pense que Blanc n'a pas le temps. Et c'est pour ça que Blanc doit rajouter un coup. Noir sort, ou en tout cas euh, fait un, un magnifique Keima qui peut éventuellement se faire couper. Et blanc rajoute un coup à droite pour faire des points, un peu plus de points à droite, disant aussi je peux couper ici. Donc la noire pousse ici, on essaie de séparer, et on va avancer un peu plus vite maintenant, parce que euh, noir attaque en bas. Ben, noir a eu des pierres autour, s'est renforcé un petit peu plus, il n'y a plus de problème de vie ou quoi que ce soit, et cet échange en bas pourrait aider le groupe au milieu à avoir une porte de sortie si euh, blanc décide de couper. Parce que si blanc décide de couper, il y a encore une chose à réfléchir. C'est ça, ça et ça. Hein. Donc vraiment, en haut, c'est vivant quoi. Dans l'absolu, c'est vivant. Blanc vient dire Je vais couper. Boum, boum, Atari. Et puis connexion. Et là, on voit quoi On voit que les pierres sont séparées. Donc maintenant, il faut absolument connecter en J15. Mais noir fait d'abord Atari ici parce que c'est immédiat. Si blanc coupe, ben, noir peut capturer. Donc ça sert à rien. Donc blanc connecte. Noir vient faire cet échange-ci. Si blanc coupe. C'est quand même très rapide, sachant qu'il y a encore quelque chose ici à lire. C'est pas si simple, mais en termes de liberté non plus. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, ça et ça. Il euh, y a l'échange avec N14 qui va se réveiller. Et si ça se passe comme ça, il y a quand même pas beaucoup de liberté, quoi. Bon, il faut compter les libertés, hein. noir ne va pas faire forcément faire cet échange là. Il va peut-être faire celui-là et puis celui-là, par exemple. Et on voit que blanc a une, deux, trois, quatre libertés. Et noir, ben, on a peut-être un peu plus. Dans la partie euh, connexion. Et puis, bleu-noir connecte enfin à ces pierres. Donc là, tout est vivant, a priori. Blanc vient faire cet échange-là. Et euh, ben, a priori, la pierre en M3, elle a l'air capturée. Quoi. Maintenant que Blanc euh, a fait l'échange ici, qui était menaçant pour capturer les trois pierres de coupe, eh bien, Blanc rajoute J18, parce que Blanc doit faire aussi deux yeux. Hein. Je rappelle que là, actuellement, elle capture une pierre, mais il n'y avait pas forcément d'œil en haut, quoi. Donc euh, si vous voulez voir par exemple, euh, imaginons un truc comme ça, ben Noir va pas faire ça évidemment, mais Noir va faire ça, ça et ça par exemple. Donc localement ce n'est pas vivant, il n'y a pas d'œil. Dans la partie, Blanc fait cet échange, on répond, et ensuite Blanc vient réduire le bord bas, et puis faire attaquer ici. On enlève les, les, les derniers petits points, et là elle finit par jouer E3. E3 qui dit Tu c'est décédé c'est décédé et le quart du goban est à moi. Parce que oui, il y a quand même un beau morceau de points pour Blanc. Mine de rien. Blanc a réussi à détruire du coup ici, à réduire des choses ici, mais ça ne fait pas de points, hein. Et à faire des points ici. Mais tout ça, ça fait très peu de points, pas de points, pas de points. La seule zone, et qui est très très grande, de Blanc, c'est en bas à gauche. Noir, à ça, noir, à ça. Et quelques points ici avec deux yeux. Sinon, le reste ça fait pas de points. Est-ce que noir gagne la partie Est-ce que blanc gagne la partie Donc après cet échange, noir pousse ici, blanc pousse ici pour menacer de couper, pousse ici. Et quand noir vient jouer ça, blanc joue ça. Et les amis, Oh abandonne la partie. Pourquoi Parce que blanc a trop de points en fait. C'est vraiment trop gros ce qui est en bas à gauche. C'est vraiment trop, trop, trop gros. Et c'est pas comme si blanc n'avait pas de points à droite aussi. Et c'est la fin de la partie, quoi. Noir ne peut pas faire plus, en fait. Même en faisant l'IOC, il ne peut pas faire plus. Donc, la partie était très intéressante, j'espère que vous avez aimé. Mais regardez tout ça, quoi. Quand je vous dis que tuer un groupe, c'est difficile. Il euh, y avait plus de chances de tuer le groupe en bas que de tuer le groupe à gauche. Et c'est vraiment pour vous montrer, je trouve, cette partie, elle est vraiment très bien par rapport à ça. Si vous voulez tuer absolument des pierres, faites attention, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Il faut vraiment rajouter plein de coups. C'est donc... Ça coûte de la ressource, ça coûte, du, ça prend des temps, du temps. Il faut rajouter un coup, un coup, un coup, et on n'est même pas sûr encore de tuer quoi. Donc euh, vraiment, si vous essayez de tuer un groupe, absolument, soyez-en sûr. Lisez dans votre tête si vous avez tué tout le groupe. Si vous n'avez pas dans votre tête lui, tué tout le groupe euh, de manière sûre, peut-être jouer en attaquant pour tuer, mais pour construire d'abord aussi. Sinon c'est compliqué quoi. Du coup, euh, j'espère que vous avez apprécié ce commentaire et cette partie. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations. Merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. C'est un peu grâce à vous aussi que je continue mon activité. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à checker le lien dans la description et voir les contreparties qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas à cliquer sur ce petit d'information pour voir la vidéo explicative des cours privés de Go que je donne sur Internet tout au long de l'année. N'hésitez pas à Profitez des offres découvertes et du Forfait League euh, tout au long de l'année, ça peut vous intéresser, surtout si vous vous envisagez de faire des tournois prochainement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.